Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle thématique de l'émission. Ce mois-ci, je vous propose de parler des nouveaux modes de travail. Dans le Grand Genève, le télétravail est de plus en plus répandu, tout comme le coworking. Mais que valent ces méthodes? Qu'en est-il du droit du travail? Et qu'est-ce que ça change pour le travailleur frontalier? On en parle avec trois invités. Anne Meyer, avocate et docteur en droit. Luc Jacquet, spécialiste des nouveaux modes de travail. Et Didier Latuile, vice-président de l'association Green dans la Vallée de l'Arve et chef d'entreprise. Et puis en fin d'émission, cette saison, direction Gland, à la découverte des champignons comestibles ou non. Un reportage conclu avec le ventre plein, bien sûr. Mais avant tout cela, je vous propose de faire un tour de l'actualité transfrontalière du mois. Les rails français et suisses sont désormais raccordés sur le CEVA. La jonction a eu lieu le 21 septembre en présence de nombreuses autorités des deux côtés de la frontière. L'avancement des travaux est de 92% sur l'ensemble du CEVA, 55% pour la seule technique ferroviaire. La date de la mise en circulation du RER transfrontalier est fixée au 15 décembre 2019. Le prix entre Annemasse et Genève pourrait avoisiner celui des tarifs Uniréseau, soit autour des 4,80 francs ou 4,60 euros. Le covoiturage, une des mesures complémentaires au Léman Express. Dès le 8 octobre, une voie sera réservée aux véhicules comprenant au moins deux occupants à la douane de Tonnet-Vallard. La mesure de test durera un an. C'est une expérience inédite en France et en Suisse. Vous faites peut-être partie de ceux qui travaillent une partie de leur temps depuis la maison ou qui se réunissent dans des espaces de coworking. Le travail a bien changé en quelques années. Anne Meyer, Luc Jacquet, Didier Latuile, bonsoir. Bonsoir. La nouvelle forme de travail la plus courante, c'est sans doute le télétravail. Luc Jacquet, c'est vraiment une nouvelle conception totalement différente du bureau avec des horaires fixes. Le télétravail est effectivement une nouvelle forme de travail, mais qui commence à se développer quand même depuis plusieurs années. Et la version, on va dire, à domicile, c'est qu'une partie des possibilités qu'offre le télétravail. Ce qui est important de considérer, c'est toute la flexibilité qu'on peut avoir. Le télétravail peut se faire aussi dans un transport, dans un parc, dans un espace de coworking. Et à ce moment-là, ça change effectivement la manière non seulement de percevoir son environnement de travail, mais aussi pour l'entreprise, sa manière de gérer ses employés. Mmh. Anne Meyer, ça s'est lié, ces nouveaux changements, aussi aux nouvelles technologies? Oui, bien sûr, Céline. Les nouvelles technologies ont permis aux travailleurs d'exécuter leur travail de manière différente. Vous n'êtes plus obligé aujourd'hui d'être à côté de votre machine à écrire, ni même du fax ou de l'imprimante. Les nouvelles technologies vous permettent d'effectuer votre travail dans un café si vous le souhaitez ou si votre employeur le demande. Donc les entreprises s'emparent des nouvelles technologies puis elles les intègrent dans l'organisation du travail, dans leur business model parfois, ce qui pose toute une série de nouveaux problèmes, de nouvelles problématiques dont peut-être nous parlerons tout à l'heure, notamment au niveau de la protection des salariés, bien sûr. Didier Latuile, vous êtes à la tête d'une entreprise dans la Vallée de l'Arve. Vous commencez tout juste à passer dans le télétravail. Vous avez cette question des nouvelles technologies, elle est importante pour vous puisqu'il faut que vous vous adaptiez de façon informatique. Oui, tout à fait. Alors, nous sommes rentrés dans le télétravail à force de questionnement et de volonté d'une de nos salariés pour des raisons de simplicité, pour se rendre sur le travail et d'avoir un peu plus de bien-être autour de cet environnement. Et l'une des questions techniques, c'était de mettre en place comment lui mettre à disposition du matériel informatique, avoir accès à nos bases de données, tout en garantissant la protection des données vis-à-vis de nos clients. Et ça, c'est nouveau. Et on est obligé d'y répondre, d'acquérir de nouvelles technologies, de trouver des solutions pour pouvoir contenter tout le monde. Alors je vous propose de voir ce reportage sur une entreprise au Savoyarde de fabrication de composants électroniques. C'est Nicomatic. Elle permet le télétravail à ses employés depuis un peu plus de 3 ans. Laure est responsable qualité, sécurité et environnement dans cette entreprise. Elle pratique le télétravail 2 à 3 jours par mois. J'essaye de l'annoncer assez en avance et c'est présent dans mon agenda également pour que les gens ne me cherchent pas. Pour elle, c'est un moyen d'avancer au calme. Quand je fais du télétravail, c'est pour une chose précise et le rendu à la fin, je l'ai. Parce que j'ai aucune autre sollicitation, je ne réponds pas à mes mails, je ne réponds pas au téléphone. C'est vraiment
focalisé, donc je dirais que c'est plus productif. Ibrahima y voit les mêmes avantages. Avec un en plus, tous les vendredis, il peut rentrer dans sa ville d'origine, Lyon, pour travailler depuis chez lui. Ça me permet en même temps de pouvoir rentrer un peu plus tôt, donc profiter aussi de ma famille, etc. Donc tous les vendredis, Ibrahima n'est pas chez Nicomatic. Mais quid de la tentation de faire autre chose chez soi ? On a plus tendance à penser à comment est-ce que je peux avancer le maximum de choses que, alors il y a la PlayStation qui est allumée, est-ce que je peux regarder, j'ai entendu du bruit, est-ce que je peux voir, est-ce qu'il y a le chat, etc. etc. Très bien. Il est en quoi ? En formation, immersion. Et en formation, immersion, voilà. Très bien. Ici, le télétravail a été généralisé il y a 3 ans. Le système se fonde sur la confiance. Et ça vous intéresserait de faire du télétravail ? Un jour, pourquoi pas ? J'ai pas de crainte et je pense que c'est même quelque chose de valorisant pour Nicomatic. On a beaucoup d'employés aussi qui apprécient. On n'a pas de système de contrôle, on a un système de déclaration. Ce qui est important, c'est que les gens se déclarent en télétravail et qu'ils soient toujours disponibles. L'entreprise s'est aussi dotée d'un outil, ce petit robot piloté par l'employé depuis chez lui pour assister aux réunions. Mais reste que le PDG souhaite garder un esprit de groupe. C'est important aussi que le télétravail soit limité à peu près à une journée par semaine, parce qu'en fait, on veut aussi que les gens soient ensemble. Une limite restera difficile à dépasser. Dans cette entreprise de fabrication de connecteurs pour l'aéronautique, les employés de l'usine ne peuvent, eux, pas bénéficier du télétravail. Didier Latuile, comment est-ce que vous le percevez, vous, ce télétravail en tant que chef d'entreprise ? Au début, on était réticents. Réticent pour rapport au suivi, parce qu'on était une entreprise un peu traditionnelle dans le suivi de nos salariés, d'être au quotidien. Les échanges, on avait une crainte de comment on allait travailler au quotidien. Et puis, on a dit on teste. Et aujourd'hui, c'est vraiment un service rendu aux salariés, un bien-être dans son organisation. On voit que la personne est disponible. Quand on l'appelle, en fait, aujourd'hui, c'est transparent pour les autres employés. Ils appellent au standard, enfin, composent la ligne directe de cette personne, elle répond. On lui envoie un mail, elle répond. Donc c'est comme si elle était là et pas là en même temps. Donc pour nous, il y a peu d'évolution, peu de changement. Et par contre, on voit une personne épanouie et beaucoup plus épanouie qu'elle était auparavant. Luc Jacquet, on a l'impression que c'est la solution miracle. Hein. Moins de stress pour l'employé. On a une meilleure gestion de la famille pour l'employé. Il est heureux, l'entreprise est heureuse aussi. C'est la solution miracle ? Bon. En Suisse, on a assez peu de retours en fait, sur la question. Par contre, en France, il y a plusieurs études qui ont été menées à large échelle sur des échantillons qui montrent qu'effectivement, il y a un gain, notamment de productivité d'à peu près 22% chez l'employé. Les employeurs peuvent aussi, en réorganisant leurs locaux, avoir des gains immobiliers conséquents. Maintenant, le passage ne se fait pas tout seul non plus. Donc, ce n'est pas une solution miracle. Et puis, la transition au télétravail, une nouvelle forme de travail, il y a plus de flexibilité dans les lieux et les horaires de travail, est difficile pour toutes sortes de raisons, principalement les questions managériales ou encore de confidentialité, de sécurité des données. Mmh. Anne Meyer, pour l'employé, il y a aussi un risque, hein, c'est de travailler plus tard, de faire plus d'heures parce qu'on est chez soi. Ça pose des questions sur la conformité au droit du travail et pas que sur le temps de travail. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'entends bien les besoins de l'employeur. J'entends également le mot de flexibilité. Je l'entends très souvent, un peu à toutes les sauces. C'est vrai que parfois, les salariés peuvent demander un peu plus de flexibilité, c'est vrai. Maintenant, le risque de forme de travail telle que le télétravail, c'est une disparition des horaires de travail. Donc, on va travailler tout le temps. On va regarder nos emails tout le temps, on va devoir répondre au téléphone tout le temps, être disponible en permanence, comme l'a dit notamment une des personnes dans le reportage qu'on vient de voir. Les règles du droit du travail, elles ont un but essentiel, c'est celui de protéger le salarié, le protéger dans sa santé, le protéger dans sa personnalité. Elles ne sont pas là pour limiter l'activité de l'entreprise, elles sont là vraiment pour protéger le salarié dans sa santé et en particulier au niveau des horaires de travail et de la protection de sa sphère privée. Voilà, parce que quand quelqu'un travaille depuis chez lui, il n'a pas forcément la chaise adaptée, c'est ce que vous me disiez juste avant
l'émission. Tout à fait. Alors, effectivement, dans le droit du travail, il y a toutes sortes de règles, notamment celles sur les horaires de travail, mais également celles sur l'ergonomie de la place de travail, l'hygiène au travail, la santé. Votre employeur doit vous donner un environnement de travail sain qui ne met pas en danger votre santé. Et ça, c'est des choses qu'on a de la peine à garantir lorsque le salarié travaille chez lui. On ne sait pas, peut-être qu'il est affalé sur son canapé toute la journée et puis qu'il aura des gros problèmes lombaires d'ici un mois ou deux. Ça, c'est toute une myriade de questions qui se posent lorsqu'on change la manière traditionnelle de travailler. Ce qui n'est pas un mal en soi, je pense qu'il y a des manières d'aménager le télétravail, pour autant qu'il soit, que ce soit des règles qui soient vraiment établies dans un esprit de dialogue entre les salariés et l'entreprise. Plus globalement, avec les nouveaux modes de travail, il y a tout à recréer dans le droit. On repart de zéro. Alors, effectivement, on repart de zéro ou on revient 100 ans en arrière, en fonction des situations. Lorsqu'on parle typiquement l'avancée technologique qui est la plus mise en avant aujourd'hui dans les médias, également dans le discours politique et dans les recherches au niveau juridique, ce sont les plateformes d'échange qui connectent les personnes qui rendent des services avec les clients. On pense évidemment à Uber, mais il y a toutes sortes d'autres plateformes qui rendent des services de la sorte, en se basant sur une application qui connecte l'offre avec la demande. Et on voit que dans cette configuration-là, parfois, on se retrouve à devoir tenir à nouveau des discours que l'on tenait il y a 100 ans lors de la fondation de l'Organisation internationale du travail. C'est-à-dire que ce sont des nouvelles technologies qui vont jusqu'à remettre en cause l'existence même du droit du travail et du rapport de travail. On se retrouve avec des entreprises qui nient être des employeurs. Donc, effectivement, toutes sortes de questions ressurgissent, elles sont reposées de manière actualisée, ce qui est passionnant, mais qui ne doit pas nous faire oublier finalement le pourquoi de l'existence du droit du travail, qui reste la protection des salariés. Luc Jacquet, vous avez développé ce petit guide qu'on voit là, assez ludique, pour expliquer un petit peu ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire, et expliquer aussi les assurances, la sécurité au travail. La frontière, ça ajoute de la complexité à ces nouveaux modes de travail? Ça ajoute de la complexité, oui, mais pas tant que ça, finalement. On se rend compte que les freins qui viennent en tête des employeurs de premier abord peuvent être assez vite compris si on simplifie le message. C'est pour ça qu'on a développé ce guide pour abattre cette première barrière-là. On l'a voulu volontairement simple et pratique, adressé aussi bien pour des employeurs que pour des travailleurs indépendants, avec des schémas, des exemples concrets, chiffrés, de situations typiques. Ensuite, évidemment, chaque cas est unique et requiert un accompagnement juridique spécifique. Vous n'avez pas que ce guide juridique, vous développez depuis 2013 un réseau d'espaces de coworking. Ça s'adresse à qui, ce coworking? Alors, on cherche à promouvoir les nouvelles formes de travail sur le territoire du Grand Genève, effectivement, à travers un réseau d'espaces de coworking. En se basant sur le constat que pour l'instant, les espaces de coworking se développent principalement en centre-ville, et c'est la tendance qui s'observe au niveau international pour des usagers qui sont des start-upers, des entrepreneurs pour la plupart. Et là, nous, ce qu'on cherche, c'est attirer vers les espaces de coworking les employeurs, les entreprises, les salariés, pour pouvoir justement créer des espaces plus proches de chez eux, éviter les déplacements inutiles et contribuer à réduire les bouchons des agglomérations. Quand on regarde d'ailleurs votre fameuse carte, on a énormément d'espaces dans Genève, assez peu autour. Donc si on habite par exemple en France voisine ou qu'on habite vraiment assez loin du centre-ville de Genève, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est pour ça qu'on travaille avec les collectivités justement du côté français pour essayer de développer des modèles d'affaires, parfois public-privé, qui permettent d'ouvrir des espaces là où la rentabilité n'est peut-être pas aussi évidente qu'en centre-ville. Didier Latuile, les entreprises aussi commencent à changer un peu leurs habitudes. Il n'y a pas que les employés. Vous avez co-créé l'association Green dans la vallée de l'Arve. Le but, c'est de coopérer avec d'autres entreprises pour penser à plein de choses et notamment des modes de transport doux. Tout à fait.
On a créé cette association il y a bientôt, on va bientôt fêter nos 2 ans, sur la base de comment travailler sur la mobilité on va dire plus douce pour l'environnement, plus douce pour les citoyens. Et on s'est dit, le covoiturage est une solution. Pour que le covoiturage fonctionne, il nous faut de la masse, de la data, c'est-à-dire de la data des gens qui partent d'un endroit vers un autre avec une capacité à trouver un covoitureur. Et on s'est dit, si chaque entreprise se lance toute seule dans cette aventure, parce que beaucoup d'entreprises, de grosses entreprises, avaient leur propre tableau Excel, mais ça privilégiait que les principaux flux, les grands axes, hein, Genève, la vallée de l'Arve, Annecy, la vallée de l'Arve, et ça laissait de côté toutes les petites entreprises. Et donc on a dit, on va se mettre ensemble et on va fusionner un peu tous nos tableaux Excel. Et on s'est adossé avec une application parisienne, une start-up qui s'appelle Klaxit et qui a développé une application pour le covoiturage domicile-travail. Ça fait ses petits depuis. On travaille sur le télétravail avec des associations comme Mieux Choisir Sa Voix, d'autres entrepreneurs, la CPME. On serait peut-être éventuellement intéressé à travailler avec le Grand Genève parce qu'on a des réflexions avec le Grand Genève sur la mobilité. Et puis on pousse la réflexion beaucoup plus loin sur les circuits courts, la valorisation des déchets. Toujours dans cet esprit de travaillons ensemble avec la proximité dans une notion d'économie. Économie au sens vertueux, avec beaucoup de pragmatisme. On pense surtout écologie, environnement, mais qu'est-ce qui motive ces employés à faire du covoiturage? C'est plutôt l'aspect financier, non? Alors oui, tout le monde est sensible à l'environnement, le bien-être, mais finalement, la grosse difficulté qu'on rencontre, c'est cette évolution culturelle. Tout le monde est d'accord, favorable, pour, mais quand il s'agit de passer à l'acte, et comment je vais m'occuper des enfants le soir, comment je vais acheter mon pain le matin. Et en fait, on se rend compte que la seule motivation environnementale n'est pas suffisante. Et on a sorti l'arme secrète qui est la partie économie. Et en fait, faites votre calcul. Aujourd'hui, vous faites 20 km à aller pour aller à votre travail. Vous êtes tout seul, vous prenez les frais pour vous tout seul. Vous êtes à 2, vous divisez par 2, vous êtes à 3, vous divisez par 3. Donc le calcul est très rapide. Pour tout le monde. Et Luc Jacquet, sur le site Télétravail Genève, vous proposez une estimation de ce qu'on gagne à faire du covoiturage ou à travailler depuis les lieux de coworking. Oui, on a mis un petit calculateur qui permet de façon assez simple de mesurer les économies par rapport au trajet qu'on fait domicile-travail, effectivement. Mais ça, c'est un gadget qu'on a développé rapidement, mais qui donne des chiffres intéressants. On cherche à développer maintenant une mesure beaucoup plus complète à travers l'outil qu'on a développé dans le cadre de ce projet, qui s'appelle Gobo, pour lequel on aimerait vraiment pouvoir consolider aussi à l'échelle du territoire les gains potentiels en termes économiques, environnementaux, pour les déplacements évités. Anne Meyer, Luc Jacquet, Didier Latuil, merci d'être venus sur ce plateau pour en parler. Très belle soirée à vous. Merci. Et comme chaque mois, je vous propose de découvrir un grand chantier en cours dans le Grand Genève, cette fois les communaux d'Ambilly. Le projet est titanesque, il réunit autour de la table l'État, la commune de Tonnet et les promoteurs privés. C'est un des 10 grands projets prioritaires du canton de Genève. L'idée, c'est de faire un nouveau quartier agréable à vivre. On va construire principalement des logements, 2600 logements. Il y aura une école de 16 classes, mais également des grands parcs publics qui vont permettre la détente, la balade des habitants. Il y a 130 000 m3 de terre qui sont travaillés sur place, manipulés. Il va quand même y avoir 7 000 m3 de terre envoyés sur le chantier de la plage des Eaux Vives pour son aménagement. La première étape a démarré le 7 mai. C'est 700 logements et 300 emplois pour 2021. Il y a une deuxième étape qui est attendue en livraison pour 2024. Il va suivre la troisième étape. L'objectif, c'est d'avoir un quartier complètement réalisé pour l'horizon 2030. Les grandes infrastructures, donc on a ce mail central, c'est cette colonne vertébrale intérieure au quartier qui va permettre de desservir ces logements. Il y a également le maillon routier et 1 km de route cantonale qui est en cours de réalisation et qui sera livré pour le printemps 2020. Je vous parler du coût des espaces publics, c'est 42 millions de francs. Et le maillon routier, c'est environ un peu plus de 42 millions de francs. Il y a également le coût de l'école, le coût des logements, mais voilà, ça c'est d'autres partenaires.
L'automne est la saison par excellence pour remplir son panier de champignons, mais c'est aussi le moment idéal pour les observer. Je me suis rendue à Gland à la rencontre de la Société mycologique de la Côte. Reportage tourné sur place avec Colin Hutz. Les champignons, c'est pas que la chanterelle, c'est pas que le belet, c'est des milliers d'espèces. Alors, c'est des quantités d'espèces qui sont complètement laissées de côté par le ramasseur classique, mais qui nous intéressent. Même des très petits champignons, on va les prendre, les mettre dans des boîtes et les étudier. Si on arrive à les déterminer sur place d'un point de vue macroscopique, on les signale dans une application, à travers des moyens modernes. On va permettre une cartographie des champignons de Suisse. Russula chloroides. Phomitopsis pinicola. C'est un quel est-il ? Bolet de quel est ? Un inocybe. Tu peux noter une ancienne zis, variété percomium peut-être. Je ne sais pas si tu l'as là. Bien russoides, notre russoides. Je te confirmerai. C'est assez compliqué les noms des champignons aussi. Oui, hein. Et c'est toujours en latin, parce qu'on arrive à se comprendre dans le monde entier. Parce que si je vous dis, si je dis à un Français chanterelle, ben, il ne va pas savoir ce que c'est, parce que lui c'est girolle. Un nom d'une pipe, c'est joli, de le revoir cette année, c'est la première fois. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est une espèce qui normalement est assez fréquente, mais cette année, c'est la première fois que je le vois. Tricholomopsis rutilin, les amateurs comme nous, lorsque c'est la première fois dans l'année qu'on voit un champignon, on le salue. On lui dit « Salut mon ami, te revoilà ». En les saluant, on espère qu'ils vont nous rendre notre politesse en apparaissant. Ça, c'est un champignon qui n'est pas non plus comestible. Est-ce qu'il y a des caractéristiques des champignons qui ne se mangent pas? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun à ces champignons-là? Non. Il faut apprendre à les connaître. Puis si on ne les connaît pas, dans tous les cas, si on ne les connaît pas ou si on n'est pas sûr à 100%, on ne tergiverse pas, on va trouver un contrôleur qui va vous dire, il va vous dire c'est bon, c'est pas bon. Vous, c'est un rôle que vous avez? Je suis mandaté par la commune de Gland, en l'occurrence, et d'autres communes aussi, pour répondre aux questions des champignonneurs. J'ai mes coordonnées, les gens peuvent m'appeler. Et je réponds, si je suis là, je réponds à toute heure du jour et de la nuit. T'as trouvé un vaccinum? Ah, voilà quelque chose de sympathique. Vous allez d'abord le mettre sous le nez. Vous allez sentir quelque chose. Sentez cette odeur. Ça vous fait penser à quelque chose? À l'amande. Oui, oui, bravo, yeah, bravo. Une odeur d'amande, mais oui. Ouais, c'est bien. Oui, Hygrophorus agathosmus. Quand j'ai commencé la mycologie, j'ai un ami, Théo, m'avait expliqué ce champignon le premier soir que je suis allé à la société. On cultive, grâce aux champignons, on cultive l'amitié, comme je viens de vous expliquer. On cultive le souvenir, on cultive sa mémoire. On fait des balades en forêt. Cette passion, vous la partagez un peu avec des amis, oui, avec aussi des membres de la société, oui, mycologique. Bien sûr, bien sûr. Et puis, on peut partager ça avec des gens qui ne font pas de mycologie. Avec vous, j'ai l'impression de partager quelque chose, même si vous n'en faites pas. Mais les sociétés mycologiques, elles sont un peu en perte de vitesse aujourd'hui. Oui, on a de la peine à renouveler. On a assez peu de membres, on va dire, jeunes qui viennent. On a eu quelques espoirs il y a quelques années. Il y avait deux jeunes dames qui sont venues. Et puis le travail les a happés dans la société d'aujourd'hui. On a le culot de l'appeler la société de loisirs, mais elle laisse finalement pas trop de loisirs quand on voit la place que prend le travail. Donc on nomme mal les choses. En mycologie, on nomme bien les choses. Ah, bah attends, il y en a plus. Le nom vernaculaire, c'est meunier. Si vous êtes cueilleuse, ben voilà comment vous devez mettre votre champignon dans le panier. Vous ne devez pas le mettre comme ça, vous devez le mettre comme ça, parce qu'il est propre. Puis il est comestible. Comestible. On va aller le déguster? Oui, avec plaisir. On redescend à Gland? Oui, on y va. On t'a amené quelques meuniers. Oui, merci. Ils sont très bons. Ils c'est gentil. Alors je vais les couper. Voilà. Je vais vite émincer pour mélanger avec celui-là qu'on a déjà. Ça se prépare comment les champignons? Est-ce qu'il faut les laver? Ça pompe de l'eau.
je le lave à ma façon avec un petit couteau. Et puis après, bah, tout à fait naturel, bah, on le poêle avec j'ai beaucoup d'olives, avec chalotte, de l'ail, déglacé avec un petit peu de vinaigre et vin blanc, avec quelques épices, de persil. Et puis on a une belle fricassée de champignons. C'est comme ça que c'est le meilleur, le champignon. Pour moi, c'est le plus simple possible. Il y a le goût qui est dedans. Quel est votre champignon préféré à vous? Moi, j'aime beaucoup les bolets. Les bolets. Pour moi, les bolets, c'est les rois des champignons. Après, bon, il y a les morilles, mais les morilles, il faut avoir des moyens, hein, parce que c'est pas facile. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne pour ma part rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro d'Ensemble. Bon appétit. Bon appétit.